Vance les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez, votre copine a fui comme pas possible. Bon, quoique ça fait quand même juste une semaine que je n'ai plus rien posté. Là je reviens avec une vidéo mode, je suis trop contente parce que ça faisait quand même un bon moment que je n'avais plus fait de vidéo mode. Celle où je décolore les vêtements, ça compte ou pas? Non, on va pas compter ça, ok. On va pas compter ça, mais en tout cas je voulais trop retourner dans la mode. Donc là c'est PLT, je suis trop contente parce que je trouve que c'est quand même assez important de pouvoir se faire un avis sur certaines marques. Comme ça quand on vient vous demander, ben vous savez aiguiller les gens. Bon, on commence. Devinez qui est de retour. Pink Panther. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Pink Panther, en gros c'est mon peignoir. Tout simplement mon peignoir bien rose, bien dégueulasse, bien fuchsia, rose bonbon, bref, moi j'aime bien. Un peignoir qui a beaucoup, vraiment beaucoup d'histoires. Il faut regarder mes anciennes vidéos pour pouvoir comprendre. Ce peignoir là, c'est genre, je vais limite le léguer à mes enfants, les gars. En passant, je vous explique un peu le concept de Pink Panther pour les nouveaux. J'enfile les vêtements, etc. sans regarder. Là, vous découvrez la pièce en même temps que moi. Je ne vais pas essayer ou ajuster juste avant. Et ça vous permet d'avoir ma réaction directe, honnête. Je suis une personne qui est très expressive. Donc si j'aime bien, vous le verrez. Si je n'aime pas, vous le verrez aussi. Donc voilà, essayons. Essayons. On va regarder au miroir qui est juste ici. Ouh, j'aime beaucoup. La ceinture nickel, rien à dire là-dessus, ça sert bien. Quoi d'autre encore? Le bon pas tout bon pas. Check. Alors prochain article, encore un truc à poids. Je vous ai dit hein, les poids et moi c'est toute une histoire. Alors tout ce que j'ai pris, je m'en souviens même plus. Ouh, ouh. Je viens là-haut. Alors ça me fait quand même un peu peur, je vais pas vous mentir. Parce que, enfin, ça a l'air d'être très long en fait. Ok, on peut regarder au miroir. J'ai peur, j'ai vraiment peur pour celle-ci. Je suis pas confiante, tu vois. Ok. Oh, c'est cute. En fait, ça taille bien d'une certaine manière. Non, j'aime vraiment bien. Il y a ça, ce côté un peu stylish comme ça. Ce côté un peu sexy qui est le côté là. Et je trouve que ça fait vraiment mon âge. Ça fait très classe. Attendez, je vois un peu avec la ceinture, mais... Personnellement, je pense que je préfère sans ceinture. Ouais, peut-être que ça cintre un peu plus. Mais avec le nœud, je trouve par contre que ça fait un peu plus enfantin, tu vois. Après, le nœud, je l'ai fait comme une bourrine. J'aime bien le profil parce que tu vois que... you know, il y a des choses un peu privées à garder pour soi. Ok, j'arrête de jouer. Le bas est beau. Mais c'est vrai que il va falloir que je retouche un peu par-ci par-là. Parce que regardez, parce que ça descend un peu, tu vois. Donc je vais peut-être demander à ma mère de relever un peu, tu vois. Et de faire quelques points. Mais en soi, tu peux relever avec la ceinture. Voilà, comme ça du coup. Mais je préfère quand même sans ceinture, je pense. Dites-moi quoi, avec ceinture? Avec le nœud vers l'avant? Ou alors sans ceinture? Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment joli, les gars. Je vous la conseille. Je me vois trop avec un, tu vois, un petit cocktail comme ça, une journée ensoleillée. Ouh, c'est... Bitch, bon, dans le salon du coup, tu vois, parce que... Coronavirus! Alors, on a quoi ici? J'ai peur. Je vous jure, à chaque fois que je vois un truc, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pris? Ok, let's see. J'ai peur. Ok. Waouh. Oh, caca. It's okay. It's okay, it's okay. J'ai dû quand même mettre mon soutif parce que, bon, je vous jure, il y avait mes tétons qui pointaient comme si c'était deux boutons play. Et voilà l'arrière, comment il donne. La matière, c'est tellement doux. C'est extrêmement doux. Vraiment. Et voilà quoi. Secouer. Bon, c'est une inside joke en fait avec ma mère. À chaque fois que je mets
des pantalons un peu glissants comme ça. Et comme dit secoué, en fait, je dois juste, tu vois, bouger. Bref, ok. Ok, Gloria, c'était pas nécessaire. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, je suis tentée de regarder dans le miroir, je vais pas vous mentir. Ok. Ah ouais, non, c'est trop joli. En fait, je suis choquée parce que normalement, un top comme ça ne tiendrait pas, quoi. Mais en fait, il y a une sorte de, je sais pas comment on appelle ça, une sorte de fer comme ça qui tient là. Mais j'aurais voulu quand même, je vais pas vous mentir, j'aurais voulu qu'il y ait un fer juste ici. Vraiment pour soutenir un peu la poitrine. Même s'il n'y a pas grand chose, on a la foi. Mais waouh, quoi. J'aime beaucoup. Et je trouve que les tailles, c'est vraiment des tailles exactes. Peut-être que ça taille petit. Je trouve que ce sont des tailles en fait exactes en tout cas pour moi. Et je pense que c'est clairement un magasin que je vais pouvoir rajouter dans ma liste de magasins. Parce que à partir du moment où ça taille bien, moi c'est bon, je colle le magasin comme pas possible. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, mais les magasins font leur taille en fonction des skinny girls et tout. C'est en faveur des skinny girls. Mais par moment, moi j'arrive limite pas à m'identifier là-dedans non plus. Parce que certes je suis skinny, mais je suis petite. Enfin, ils dessinent pour les skinny girls mais qui ont une certaine taille moyenne. Bon, après moi j'ai une taille moyenne, mais pas vraiment. Et en même temps, je ne suis pas non plus plate de derrière. Tu vois, je suis quand même assez fort cambrée. Et eux, les skinny girls, pour eux c'est skinny skinny. Donc c'est pour ça que c'est pas facile non plus pour moi de trouver des magasins qui sont top. Bref, une petite histoire. Moi je suis trop dans le visionnarisme. Je suis trop dans le visionnarisme, tu vois. Il y a moyen de rendre ça un peu plus street, genre avec des baskets ou quoi. Je ferai ça. Promis, je ferai ça et je posterai une photo. J'ai vraiment envie de sortir à l'extérieur pour prendre la photo, mais bref. Bref, donc voilà, et vous pouvez mettre ça, rendre ça un peu classique. Mais c'est à vous de bien accessoiriser, de choisir la bonne coiffure qu'il faut, etc. La couleur, period. La taille, period. Sexy, pipi. Tu vois, donc copine, prends ça. Attendez. Ouh, attendez, non, non, j'ai hâte de tester ça. En fait, je pense qu'il y a un seul truc qui me dérange, pour être sincère avec vous. Mini bouffant, là, je trouve ça un peu bizarre. J'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, que ce soit sur les robes ou je ne sais quoi. Donc, soit vous créez le truc genre vraiment bouffant, bouffant, soit rien du tout. Et donc là, je pense que je vais demander à ma mère de faire un point ou quoi vers l'intérieur pour que ce soit plat. J'aime beaucoup comment c'est exagéré au niveau du bas. J'aime beaucoup la ceinture un peu tigrée comme ça, un peu écaillée. Très joli. Le modèle ici, nickel. Les manches, parfait. J'aime beaucoup comment c'est bouffant. Ouais, j'aime bien. Hein. Je pense que j'aime bien. It's okay, it's okay! Est-ce que c'est transparent? Non, en fait, c'est pas transparent du tout. À moins que vous serriez comme ça et que, voilà, vous avez mis une culotte. Ben là, vous voyez les lignes et machin. Mais sinon, si vous laissez ça tranquille, ben... c'est nickel, c'est pas transparent. Donc vous avez la jupe ici et vous avez le petit top qui fait corset comme ça. Du coup ça fait un peu moins... j'ai voulu tricher quand même, hein, tu vois, c'est pas vraiment le combi mais voilà quoi. Ok, voilà ce que ça donne. Je vais regarder au miroir tout de suite. Ah ouais. Non, that's cute. C'est mignon, oui, 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 oui. Au départ, j'étais un peu sceptique par rapport à la couleur. Je me disais, ça prend un peu cheap. En fait, avec ça, faut vraiment s'imaginer dans le contexte, tu vois. Parce que si tu te vois là dans ta chambre, tu vas dire, Mais sinon, dans un contexte un peu plus féerique, idyllique, plagiste. Plagiste. Oh, amour. Hey, hey. Plagistique. Bon, tu vois, à la plage, quoi, tu vois. Ça, c'est ajustable. Peut-être un peu... attendez, j'ai une petite, épingle. Je mets une petite épingle ici. Il y avait aussi ça en rose, mais j'ai plus flashé pour le côté un peu orangé. Faut que je puisse m'approcher, regarder un peu. Ah, 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 ah. L'orange sur les peaux noires. J'aime tout, beaucoup de tout.
ma chaîne Tabaraka. La couleur orange sur les peaux noires, c'est vraiment très joli. Sur les peaux foncées, bronzées, tout ce que... Giving me vibes. Et le derrière, c'est... Ok. It's okay, it's okay. Ça c'est les haters. L'épingle là, vous venez me piquer moi. Hey, you want to destroy me? What? Hey, wow. You can destroy it. Plantain chips, like tomato, cabbage mixture. A whole meal. What are you even trying to do? Please. Before I even open my eyes, il faut que tu déposes l'épingle, tu vois. C'est juste une épingle, tu vois. Ok. J'ai pris une combi en fait pour tous les jours tout simplement, donc rien de spécial. C'est une combi avec une ligne comme ça. Je me dis voilà, les jours où j'ai pas envie de m'apprêter ou je ne sais quoi, ben il suffit que je la glisse et c'est nickel. Ok, la voici les gars, voilà ce que ça donne. Ok, on regarde le miroir. Waouh. Moi j'aime bien, c'est vraiment joli je trouve. J'aime bien le bas aussi. Voilà, la ligne sur le côté, trop jolie aussi, cute. C'est bien, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez, je pense que j'ai pris du 34, ça taille comme du 34, je pense pas que ce soit du 32. Mais si je pouvais prendre plus petit, je prendrais plus petit, pour que ça serre vraiment un peu plus, genre, et pour que là ça remonte un tout petit peu, tu vois. Mais j'aime bien, c'est genre vous êtes hyper confortable là-dedans, c'est le truc avec lequel tu fais les colis et tu vois. Là j'aime bien. On va regarder. Ok. Ah ouais, c'est joli. Donc il faut d'office un soutien sans bretelles ou alors pas de soutif du tout. Après c'est vrai que au niveau du bas ça traîne assez fort. Mais pas ça le jour de... un jour de pluie. Ah c'est un peu satiné comme ça. Ça a des reflets un peu mais on ne voit pas trop. Je sais pas trop si vous arrivez à voir ça en caméra. Donc voilà ce que ça donne au niveau du cou. C'est genre vous twistez, ensuite vous faites un nœud vers l'arrière. Si on avait une petite ceinture, ben du coup ça aurait relevé ça, tu vois. Parce que quand je laisse, ben l'arrière retombe. Et là c'est un peu vers le haut du coup. On va dire que ça taille un peu grand quoi. Du coup je peux moi-même rajouter ma propre ceinture. Hein. Par exemple j'aurais pu prendre, j'aime bien cette ceinture. Et à la fin de la ceinture il y a des petits coris que j'ai rajoutés. Mais... regardez ça, c'est cute hein, comme ça. Donc voilà, dites-moi si vous trouvez ça sucré, miellé et pimenté ou alors dites-moi, Gloria, tu arrêtes ça. Ok, tu me dis vraiment qui t'a envoyé. Comment ça fait que ça se soit ouvert? Je vous promets que c'est pas moi. Je vous jure que c'est pas moi. Ok, regardez. Ça a l'air de bien tailler, c'est pour ça que je souris. Mais bon, faut quand même encore regarder au miroir. Donc voilà ce que ça donne. Ok. J'aime beaucoup le jeu de bimatière, mais vraiment. Vous savez depuis combien de temps j'ai pas été à mariage? Les gars, s'il vous plaît, n'importe qui, si vous mariez, invitez-moi, ok? Je vais venir parce que j'ai besoin de porter ça, j'ai besoin que tout le monde me voit. J'aime ça que la mariée se dise, oh, il fallait pas que je l'invite. Et regardez la couleur crème sur ma carnation, ce que ça donne. J'aime bien. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Moi, je me vois clairement avec un chignon bas, même avec des tresses, hein, mais un chignon bas, quoi, tu vois. Oh, I love it. Mais maintenant, Gloria, tu vas aller où avec ça? Ma prochaine vidéo, trouver l'homme de sa vie. Se marier, concrétiser les choses. Juste pour que vous puissiez vous marier et m'inviter, tu vois. Non, aujourd'hui, vraiment, bootcamp. Je vais écrire toutes mes vidéos. Hey, je verrai. Se marier gêne. Comment ne pas reculer en arrière? Comment avancer dans la vie? Il faut que j'arrête. Faut que j'arrête, mais je vous jure que je suis sérieuse d'à côté. J'aimerais pas porter ça et j'ai pas de mariage, les gars. Mes potes sont pas prêts à se marier, ok, s'il vous plaît. Il y en a qui m'ont dit, toi. On t'a demandé quelque chose. J'ai dit que je voulais participer dans le sens où je veux être invitée à un mariage, ok. Laissez-moi tranquille. Period. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus, allez liker, soutenez, etc. sur Instagram. Je vais même essayer de poster une photo maintenant, comme ça je regarde, je prends les présences, ok? Non, parce que si vraiment tu likes pas, ça veut dire vraiment que ton cœur est noir,
foncé créé dans le charbon et le fusain. Donc ça veut dire c'est noir noir, tu vois. Non, j'arrête, ok, j'arrête. Donc voilà, c'est tout pour ce haul là. Mais après, pour ce haul, j'ai plus pris une sorte de thème. Si vous voulez voir les dernières choses que j'ai pu me choper, etc., il n'y a aucun souci, dites-le moi, je ferai ça pour vous. Acheter juste pour acheter, c'est plus un truc qui m'intéresse. Il faut vraiment que je puisse kiffer le truc. Et du coup, oui, voilà, ces derniers mois, j'ai pu acheter certaines choses et je peux vous montrer tout ça. Mais sinon, voilà, sinon, c'est pas forcément nécessaire. Et c'est plus trop mon délire, les gars, d'acheter, juste acheter, acheter, montrer. Flemme, ok? Flemme. Sauf si c'est du vintage, ok? Voilà. Bon allez, je vous laisse, n'hésitez pas à partager, abonnez-vous, genre abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que je vois beaucoup de personnes qui me regardent et qui ne s'abonnent pas. Donc abonne-toi, ok? Bisous bisous et à la prochaine. Mouah.